ans et ça fait 3 ans qu'elle fait du plongeon. Mon frère, il a commencé à plonger et il a pris des cours. Et ben moi, j'ai décidé de le suivre. Quand j'avais 2 ans, dans ma cour, il y avait des morilles blondes. Puis je l'ai apporté à ma mère. J'ai vu mon frère jouer et je voulais vraiment essayer, mais je pense que j'ai pas aimé avant. J'ai découvert ça en entendant parler, en regardant des émissions de voile. J'étais comme, waouh, c'est beau, c'est rouge, c'est orange, c'est jaune. Et j'ai essayé et c'était beaucoup de fun et j'ai jamais arrêté de... On le fait tourner. Là, on lance dans le cou du veau. Un cochon, ça crie parce que ben, les cochons, ils sont terrestres, puis ils aiment toucher par terre tout le temps. Puis dès qu'il n'y a plus de contact, ils sont comme « Ah! Ah! » Pour attraper les papillons, Félix chasse à vue. J'aime ça parce que ça va vite, puis il y a beaucoup de mouvement avec les pieds. C'est comme si on avait les deux pieds ici. Et là, il faut faire tout, 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 tout. La contrebasse, je trouvais que c'était trop bas. Puis le violon, c'était trop aigu. Fait que j'ai choisi le violoncelle. J'aime quand c'est calme, t'es dans la nature, puis t'as pas l'occasion de faire ça tous les jours. Moi, mon rêve du plongeon, là, c'est d'aller aux Olympiques. J'aimerais ça que je sois la meilleure du monde. Je veux être actrice police montée. Mon plus grand rêve est d'être champion du monde en Formule 1. Mon premier plan, c'est de soit de devenir le premier ministre du Canada, mais si je le réussis pas, j'ai un plan de secours, c'est d'être un champion de baseball.